ça. Oh, super. Je m'appelle Sophie. Au début, des pans de ma vie étaient cachés comme derrière un mur épais. J'étais seule. C'était très difficile pour moi d'apprendre à parler et de comprendre les autres. J'ai toujours dû me battre. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai surmonté ces murs autour de moi. À mes 19 ans, ma mère m'a proposé de tenter une carrière de modèle. Peu de temps après, j'ai été sélectionnée pour le concours national de beauté Miss France 2007. Lors de l'interview en direct, je ne devais pas parler sur scène à cause de ma perte auditive. Mais j'ai pris le micro et j'ai parlé et le public a voté pour moi. Vous voulez montrer que vous êtes comme tout le monde. Moi, je veux prouver qu'on a des capacités comme les autres. Et puis, je veux aider l'accessibilité de la chaîne télévision. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. C'était déjà une grande victoire pour moi. Aujourd'hui, je ressens le monde proche de moi. J'attends des choses dont je ne connaissais même pas l'existence. J'attends la vie. Je suis Sophie Vougelot et je fais partie du monde qui m'entoure.